Dieu fait souvent bien les choses. Hein. Je vous dis comment il a réussi à équilibrer le rapport entre les hommes et les femmes dans la société. En général, dans la plupart de nos sociétés, quand la femme grandit, elle est toute belle, elle est très convoitée. Quand elle est jeune, à un certain âge, à un moment, il y a son horloge biologique qui lui rappelle chaque mois qu'à un moment, elle ne pourra plus avoir d'enfant. Elle grandit comme ça, elle grandit comme ça. Et il y a cette horloge biologique. Voilà. L'homme, il n'a pas eu cette chance depuis tout jeune. L'homme doit se battre pour avoir sa place dans la société, pour s'imposer, pour pouvoir montrer qu'il peut s'occuper d'une famille. Il doit se battre, il doit se battre. Quand il est jeune, aucune femme ne le considère parce qu'il n'a pas encore fait ses preuves. L'homme doit faire ses preuves. Et quand l'homme, à un moment, a fait ses preuves, c'est là où le rapport commence à s'inverser. Et c'est là que je trouve que c'est fantastique. Et cet homme, lui, peut faire des enfants toute sa vie. Dites-moi ce que vous en pensez.